à tous les refs, c'est Myled. On se retrouve aujourd'hui pour une tenue codage perso féminin. D'accord? Donc en deuxième perso, il vous faudra un perso masculin. Ok? Comme le perso masculin, vous allez tout perdre. Hein. Donc vous venez ici. Déjà, vous portez votre tenue préférée. D'accord? Et ensuite, vous allez là et vous supprimez tout. D'accord? Votre tenue préférée, vous la gardez sur vous. Ça permettra de la garder. Ok? Ensuite, dès que c'est fait, start en ligne. On se retrouve sur le deuxième personnage. Donc arrivé en session avec le perso 2, vous faites start en ligne. Et vous faites une session sur invite en passant par l'éditeur. Donc arrivé en session sur invitation avec votre deuxième perso, vous courez à un magasin de vêtements. Donc vous arrivez là et vous allez voir déjà si vous avez des accessoires. Donc elle est ref. Donc moi normalement, ah si, chaîne, tac tac tac, boum. Il a des boucles d'oreilles ou pas? Ok. Bon après c'est bon. Donc première tenue. Vous allez dans les hauts. Vous allez dans les chemises contractées, décontractées, pardon. Ici, boum, prenez la dernière, guirlande Bordeaux. Ok, boum. Ensuite, vous allez dans les accessoires. Vous prenez les gants tactiques, clair forêt. Ok, les refs, boum. Ensuite, vous allez à côté de la caisse. Ou plutôt, attends, d'un côté, on va mettre, on va aller dans les shorts et vous prenez le rouge léopard. Le rouge léopard, boum, quelle erreur! Donc là, du coup, vous allez à la caisse, hop, vous prenez aviateur, argent. Police argent, pardon, là, boum, ok les refs, tac, ensuite, vous allez, tu bouges s'il te plaît, merci, vous allez dans les chapeaux, tac, vous allez chapeau de toile, vous allez vers le haut, bob noir, ok les refs, boum, ensuite, vous allez dans les chaussures, donc, vous, s'il vous plaît, normalement, j'étais censé prendre. Elles sont où? J'étais censé prendre celle-là, mais je les ai pas débloquées les refs. Donc s'il vous plaît, prenez celle-là. D'accord, c'était l'accessoire de base, donc prenez ça, s'il vous plaît. Merci. Moi, bon, j'ai pas le choix, faut que je vous mette des chaussures. Donc on va aller dans les chaussures chic et on va mettre. Les Richelieu beige. Richelieu beige. Richelieu. Je sais pas si je crois, non? Bon, je trouve les beiges et on se retrouve. Hein.
Bon. Ah bah voilà, putain, ils sont juste là. Richelieu, beige. Boum. Quelle erreur, je suis désolé. Hop. Vous sauvegardez, vous mettez rose invis. Bam. Pour rose invisible. Hop, c'est une mutant, c'est normal. Quelle erreur. C'est bon. Donc l'arrivée là. Vous allez faire la deuxième tenue. Donc vous allez à la caisse. Gorka. Attendez, parce qu'il y en a trois à base de Gorka. Là, la première c'est chocolat. Ensuite, vous allez dans les caleçons. Toujours. Et vous allez caleçon rouge léopard. Encore. Boum. Ok, la ref. Ensuite, vous allez dans les hauts. Dans les hauts polyvalents. Vous mettez le marron. Haut de combat marron. Ok, boum. Ensuite, vous allez dans les accessoires. Boum. Vous mettez les gants. Tactique clair forêt. Comme d'hab, ça c'est pour transférer les gants. Boum. Ensuite, vous allez à la caisse. Et vous prenez aviateur argent. Police argent. Boum. Tac. Ok, les refs. Ensuite, vous allez dans bah c'est bon hein. Prends celle-là, c'est la deuxième, c'est bon hein. Hop, on prend ça, c'est qu'on va lui mettre un casque et tout. Donc on va mettre rose militaire. Boum, c'est bon toi. Hop, et on s'attaque à la troisième. Donc pour la troisième, vous allez là, vous prenez Gorka anthracite. Donc elle est rough. Ensuite, vous allez dans les caleçons, dans les shorts, caleçons brun clair à rayures. Ensuite, vous allez dans les gants. Dans les gants, dans les gants, dans les gants, ta 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 ta. Les gants, non, pardon. Tac. Ensuite, vous allez. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dessus? Ouais, casquette et lunettes. Hop. Alors, les lunettes, comme d'hab. Hop. Et ensuite, les chapeaux, hop, casquette à l'endroit, et vous cherchez la, dans les derniers, la frontale au vert. Ok, les refs, tac, une fois ça fait, carré, et vous sauvegardez. Hop, on va mettre, ça c'est la tenue blanche, on va mettre blanc, hop, ok, les refs. On attend que ça sauvegarde, c'est bon, hop, on va, ici, on reprend. Tenue Gorka et vous prenez le cendre. Ok, les refs, boum. Ensuite, vous allez dans les shorts. Hop, short noir hacker. Voilà. Ensuite, vous allez dans les hauts. T-shirt de designer. Là, vous prenez le Santa Capra bleu rayé. Il est où? Santo Capra bleu rayé. Voilà les refs. Ensuite vous allez là-bas. Vous prenez les gants. Tactique clair forêt toujours. Hop. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? On va y refoutre les lunettes, pardon déjà. Les lunettes. Hop. Tac. Ça c'est la tenue bleue, on va y foutre un casque, tac, 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 je vais voir en même temps qu'est-ce qu'on pourrait faire avec. Ok, bah vous sauvegardez comme ça. Ok, les refs, tac. Là vous l'appelez bah bleu. Hop, ok, les refs. Si vous faites 4 tenues, une fois que vous avez fait ça, start en ligne et vous allez dans l'éditeur. Une fois dans l'éditeur, comme d'hab, créer une course terrestre.
et vous faites une course de plus de 1 km, 1 km 0, 1, 0, 2, 0, 3, comme vous voulez, et on se retrouve une fois que vous l'avez créé et testé. Hop, une fois votre course créée et testée, vous faites croix. Arrivez sur l'éditeur, vous faites start en ligne. Changez de personnage. Arrivez sur le menu des personnages, vous supprimez le deuxième. Carré, croix. Une fois supprimé, vous spammerez pour retourner au mode histoire. Arrivé en histoire, faites start en ligne, choix GTA et vous partez en session publique. Avec votre premier perso, désolé, pavé tactile, hop, vous vous mettez en passif. Donc, si vous allez spawn avec une tenue que vous avez peut-être gardée pour pas la supprimer, d'accord? Si c'est pas le cas, bah vous continuez le glitch. Sinon, vous allez ici, flèche de droite. Et vous sauvegardez votre tenue, d'accord? Vous mettez là, vous avez toutes vos tenues buggées, et là, vous la sauvegardez par là, par exemple, d'accord? Donc ensuite, vous allez à la caisse, tac, vous allez dans tenue combinaison. Attendez, je crois que c'est dans les derniers. Marquage, non, tenue combinaison. Prenez la lumineuse. Ok, les refs, boum. Une fois ceci fait, start en ligne, activité, pardon, hop, créé par Rockstar, et vous allez dans un versus et vous lancez un repo. Donc, arrivé en repo, vous vérifiez que c'est bien en possédé et vous laissez la mission se lancer. Une fois ici, vous allez sur tenue, vous faites une seule fois flèche de droite, boum, et vous lancez la mission. Une fois dans l'activité, pavé tactile, style, accessoire, flèche de gauche. Et vous quittez. Donc arrivé en session, vous vérifiez que vous êtes toujours en mode passif. Et vous filez, sauvegardez votre tenue. Ensuite, comme d'hab, vous supprimez celle qui vous a servi de modèle. Ok, les refs, une fois que vous avez fait ça, vous prenez une tenue standard, boum. Vous allez dans les maillots de course. Une fois dans les maillots de course, boum, vous prenez le dernier, acidulé. Bam, une fois fait ça, vous faites start en ligne, activité créée, enfin, jouer activité créée par Rockstar, et vous lancez un repo. Une fois dans le repo, vous vérifiez que c'est toujours en possédé. Arrivé ici, vous allez sur les tenues, vous faites une seule fois flèche de droite. Donc arrivé ici, pavé tactile, style, accessoire, flèche de gauche. Et vous quittez. Arrivé en session. Vous courez, la sauvegardez. Et vous supprimez votre modèle. Une fois ceci fait, vous avez notre tenue standard. Hop. Si vous n'avez pas les gants que je vais vous mettre, vous allez les acheter au magasin. Accessoires. Et vous mettez les gants en coton blanc. Une fois que c'est fait, start en ligne. Jouez par Rockstar. Et vous lancez un repo.
Donc arrivé ici comme d'hab, tenue une seule fois flèche de droite. Arrivé ici, pavé tactile, style, accessoire, flèche de gauche. Et vous quittez. Donc arrivé ici, hop, encore sauvegarder la tenue. Voilà, vous avez bien supprimé votre modèle. Tenue standard, hop. Et vous prenez. Non, même pas. Pour la dernière, vous êtes dans les tenues, il faut tenue, braquage, combinaison. Ou un truc comme ça. Attendez, je vais vous dire tout de suite. Ah bah voilà. Ici, hop, et vous prenez fumigation. Quarantaine, la bleue. Ok les refs? Tac. Une fois ça fait, vous faites pas être tactile, style, accessoire et vous faites sauter le masque. Ok les refs? Boum. Une fois ceci fait, start en ligne. Activité, jouer activité par Rockstar et vous lancez un ripou. Donc une fois en ripou, après avoir bien vérifié que c'est bien en possédé, on attend. Arrivé ici, tenue actuelle, une seule fois flèche de droite. Arrivé ici, pavé tactile, style, accessoire, flèche de gauche. Et vous quittez. Arrivé ici, hop, on court sauvegarder la tenue. Et on sauvegarde le dernier modèle. Merde. Hop, tac. Ce qui vous fait 4 jolies tenues. Presque comme ça, vous arrête. Fait par Maglé. Donc, on se retrouve dès que je les ai finies. Bon, voilà les refs. On se retrouve une fois qu'elles sont finies. D'accord. Donc, j'ai pas touché à la blanche ni à celle-là. D'accord. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez toucher, voilà. Je me suis dit, autant les laisser, elles sont bien. Hop. Donc le reste j'ai fait tenue, sauvegarder. Donc le reste la bleue, j'ai fait ça. D'accord les refs. Et la rose militaire, j'ai fait ça. Si vous voulez le casque militaire comme ça, vous me dites. Je vous dirai l'astuce. Et j'ai fait celle-là. J'ai pas touché. Hein. C'est tel quel, au pire vous mettez une petite goutte blanche. Faites ce que vous voulez. Ok les refs? Bon voilà, les premières tenues codage perso féminin. J'espère qu'elles vous auront plu. C'était MyLed Gaming. On se dit à plus tard. Cache-moi pas les couilles que t'as vendu plus que moi. Si j'ai mon 43, c'est que je peux faire des dégâts. Y'a des guetteurs sur le toit qui crient Arténa.